Salut tout le monde. Salut à tous. Salut Artus. Salut Baptiste. Qu'est-ce que tu as à nous présenter aujourd'hui, Artus? Je me prépare à vous montrer cet outil totalement fou. C'est un sauciflator. Mais c'est tellement un truc incroyable. Avec ça, vous pouvez couper vos saucisses directement dans votre cuisine. Un sauciflator? C'est tellement génial. Comment vous l'avez fait? Et vous voulez vraiment savoir comment posséder ça? Regardez ça. Explosion de cerveau. Bon, commençons par établir un dessin rudimentaire afin d'essayer de tenir un cap et un ordre de découpe. Bon, on va directement découper le plateau et puis comme ça, bah, ça sera beaucoup plus simple pour nous, on pourra tout bien voir. C'est parti! Il nous reste encore du chêne de nos précédents projets, majoritairement des chutes, hein, mais ça sera pile poil suffisant pour le sauciflator. Tiens, file-moi le crayon de papier, s'il te plaît. Donc là, on arrondit les bords, les bords sont arrondis. Par exemple, elle doit faire l'épaisseur d'une planche de chêne. 18,43, 18,42. Hein. Autant faire les bords ronds d'abord, parce qu'en fait, il y a déjà la... T'as déjà la queue ? Ouais. On prépare en premier la planche à découper. A partir de là, on pourra bien visualiser l'emplacement des différents éléments. Bah, je crois qu'on peut s'arrêter là. Hein. Pourquoi ? Bah, ça fait une planche de découpe à saucisson. J'avoue. J'installe une fraise droite afin de défoncer le sillon qui servira à guider la guillotine. Un peu plus au fond, ouais, quand même, non ? Que les tranches puissent, tu sais, se poser, ouais. Quoi. Bah voilà. Bah si t'as de la grosse rosette épaisse comme ça... Le bois faisant 18 mm d'épaisseur et la fraise 16 mm, on la décale de 2 mm afin d'effectuer une deuxième passe et élargir le sillon. Tu fais pas ça avec un couteau, mon gars. Donc imagine dans du saucisson, ma mère. Tu vois là, il y a quand même très peu d'angle, là, c'est presque droit. Hein. J'irai comme as. Alors attends, un sauciflard... Qu'est-ce que je peux avoir qui ressemble à un sauciflard? Attends. Bon, on va imaginer que ça, c'est à peu près la largeur d'un saucisson standard. Moi, je suis pas du tout d'accord. Moi, je dirais c'est ça, la largeur d'un saucisson standard. Oui, ça dépend du type de saucisson. Tiens, Jim, tu peux nous ramener ça, s'il te plaît? Le truc là, hein? Merci. Tu vois? Ça ressemble plus à un sauciflard. Bon. On est sur la saucisse d'Auvergne. On va dire que ça, c'est un sauciflard. Voilà. En gros, là, on c'est est bien. Comme ça. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Bon, clairement, hein, ça coupe bien. On passe donc à la découpe de la glissière qui recevra la lame. Waouh! Ça c'est pas de ça? Ça c'est pas ouf ça? Hein? Ensuite, on affine au maximum l'angle afin que le bois ne gêne pas le passage lors de la découpe d'un saucisson. On utilise notre table acier en relevant le disque de coupe de quelques millimètres seulement. Grâce à ça, en effectuant de multiples passages de coupe et en décalant le bois un peu plus à chaque fois, cela nous permet de creuser la zone que l'on souhaite pour l'intégration de notre lame de guillotine. Par contre, je suis en train de me dire que si on met ça comme ça, ce qui est cool, c'est que ça nous fait une petite planche à saucisson, là. Ah bah on met un truc dans le coin. Ouais, on lui donne un nom. Oui, mais quoi? Bah, on va demander aux Instagrammeurs. Aux ceux qui nous follow sur Instagram, c'est nous les Instagrammeurs. Vas-y, c'est parti. Quel est le nom qu'on peut trouver pour cet objet? Et donc, c'est vous qui allez décider avec nous. Vous êtes donc 32 sur le live pour tout vous dire. On va choisir ensemble qu'est-ce qui va être écrit sur cette planche. Donc c'est une planche, vous avez deviné ce que c'est si je fais ce mouvement-là et que je vous donne les noms. Donc on a la guillotine, le trancheur, le sauciflator, ou le découpeur, ou le découpe-trancheur. Ou des gens qui votent pour le trancheuse Zoubi 3000, on écrit le trancheuse Zoubi 3000. Ouais, mais alors le sauciflator... ça fait 4-5 fois 4 ça fait à l'aise. Bon bah écoutez, c'est super gentil, merci à tous d'avoir voté, merci beaucoup. Donc on s'arrête sur le sauciflator. Merci à tous,
Comme d'habitude, on va se tourner vers Jim et vous allez pouvoir voir... Mettez tous vos messages. Rejoignez-nous sur Instagram et participez activement à la construction de nos DIY et de nos vidéos. Et en plus, vous aurez droit à des photos exclusives de Lancelot, notre chien. Merci à tous, le résultat il est très clair, c'est le Sauciflator 3000. Il y a eu du Sauciflator aussi, du Sauciflator 5000, du Sauciflator 2000, mais c'est surtout le Sauciflator 3000 qui l'a emporté. Donc bah vous avez gagné, hein. On tient notre parole, on va donc indiquer et nommer cet objet le Sauciflator 3000. Baptiste prépare le plateau de la CNC et il enlève toutes les bosses pour y fixer la planche. On attache une fraise en V, ça permet d'utiliser la technique de V-carving, souvent utilisée pour graver du texte plus facilement. Cette fois-ci, nous allons reboucher la gravure avec une pâte à bois neutre. Ouais, ça sera plus discret, plus clair et tout aussi joli. Est-ce qu'on le met à ras ou est-ce qu'on le met à avancer ? Carrément, tu vois là ? Ah non, mais là, t'as la poignée. Pour faire un joli compartimentage, tu vois. Il vaut mieux qu'on recule la lame. On a tout intérêt à la reculer, pas à l'avancer. Pour que la poignée bute contre le truc, c'est là quoi. Donc ça fait ça des battements de poignée en fait. C'est cette largeur là quoi. Ça passe hein, en vrai. On est bon ? Ok. C'est ce petit encastrement qui permettra de tenir fermement la glissière de la guillotine. On ajuste les prépersages en fraisant le bois. Ça nous permettra de recouvrir proprement les vis par la suite. On l'ajuste le plus étroitement possible afin d'éviter au maximum le décalage de la lame quand on découpera du saucisson. Petite technique des familles, hein. Quand vous avez un truc qui est un peu trop serré, bah vous mettez un bout d'une petite feuille, ça fait quelques microns d'épaisseur, vous vissez, puis après c'est bien adapté quoi. Alright. Il y a un micro-clic, genre tic, 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 à peine perceptible, qui fait que ça glisse parfaitement. Et en même temps, ça bouge pas. Maintenant que tout est bien fixé, on arrondit les angles. Ça évitera de s'écorcher le poignet quand on fera des mouvements de va-et-vient. C'est préférable. Si c'est fin comme ça, tu vas voir, j'imagine que ça me tient que sur les deux doigts là, c'est un peu galère. Ouais, voilà, un peu comme ça, ouais. Remarque, c'est vrai que si elle est déjà faite, qu'on a juste à la poncer et à la teinter, c'est pas mal, hein. Ah, petite astuce, on a utilisé des butées de tringle à rideau. Ouais, c'était déjà bien rond et déjà agréable en main. Et il ne reste plus qu'à coller la pièce qui retiendra le saucisson. Et puis on ponce et on ajuste le tout. C'est dégueulasse! Ouais, pas sûr de voir. Mais il y avait encore un peu de vernis. Il y a encore un peu de vernis, il faut le poncer plus fort en fait.
Non, bah, écoute, on va le peindre en noir. Hein. Bon, comme vous pouvez le remarquer, la teinture prend pas très bien. Pourquoi ? Parce que tout simplement, j'ai pas assez bien foncé. Et du coup, une teinture, c'est pas comme une peinture, ça reste pas en extérieur. Une teinture, ça pénètre le bois. Et du coup, là où une peinture aurait tenu parce qu'il suffit de rayer la surface pour que ça accroche en séchant, dans le cas d'une teinture, il faut vraiment que toute la surface s'en aille parce que ça doit pénétrer les fibres du bois. Et là, c'est pas le cas. Donc plutôt que de s'embêter et de recommencer à poncer, on hésitait avec Artus, on va en profiter pour le faire. On va peindre en noir, comme ça on sera tranquille. Et puis ça donnera aussi un petit cachet qui est très sympa. Et puis, pour coller la lame, on utilise de l'époxy. Ouais, clairement, avec ça, ça sera suffisamment collé. Bon, par sécu, je passe la lame sous le Dremel afin d'écorcher un peu le métal et créer le plus d'adhérence possible avec l'époxy et le bois. Quand même faire la finition, c'est ce qu'il y a de plus stylé, de faire sortir les veines du bois et que ça ait de la gueule. Et on s'est dit, bah, on veut éviter de mettre des trucs toxiques. Même si on dit souvent qu'un vernis c'est pas toxique à partir du moment où c'est bien sec, ouais, etc. On voulait pas prendre de risques et on a découvert qu'on pouvait mettre de l'huile de friture pour saturer les fibres. Exactement, donc c'est ce qu'on a fait. On a utilisé l'huile et du coup ça permet de remplacer toutes les petites bulles d'air par de l'huile et donc de saturer le bois. Ouais, donc ça rend plus ou moins hydrophobe, c'est-à-dire que quand vous allez mettre de l'eau dessus, il va pas absorber cette eau. Et par contre, il faut faire attention. Au bout d'un certain moment, s'il est mal appliqué, on peut aussi l'huile peut devenir rance et ça peut vieillir sur le bois, ce qui n'est pas très gênant. C'est dans plusieurs années, on verra ce que ça donne. On vous fera un topo là-dessus après. Au moins, c'est naturel et c'est plutôt joli. Ouais. On est super fiers de notre petit sauciflateur 3000. En plus, le nom est super marrant. Moi, je l'aime bien. Ouais, merci à tous ceux qui nous suivent sur Instagram parce que c'est vous qui avez décidé. Ça faisait un moment qu'on voulait faire une guillotine à saucisson. On a été déçus par deux précédents achats. Donc là, je pense qu'avec la lame de cutter, ça risque de bien fonctionner. Oui, alors cette lame de cutter, par contre, comme vous avez pu le voir, elle est entièrement collée parce que ça posait des problèmes si on la vissait. Et on s'est dit que de toute façon, une lame de cutter, avant de l'user avec du saucisson, surtout des lames comme celle-là, vous avez les liens en description. C'est des lames spéciales qui sont pour des très très gros cutters professionnels. Ouais. Bah, nous, on les use en plusieurs jours. Et alors qu'on coupe avec du bois, du plastique, du machin, je pense que c'est assez pérenne. Et puis le jour où on aura besoin de la changer, on mettra un petit coup de maillet et oui, terminé, basta, on en mettra une autre. Et puis on est super content parce que c'est un produit qui est tout en bois et il n'y a rien de non naturel, mis à part la poignée qui est en laque noire. Oui, sinon, non, elle est en laque noire, mais il y a quand même du bois en dessous. C'est une poignée en bois, je suis désolé. Oui, c'est vrai, mais en tout cas, voilà, c'est que l'huile végétale, donc ça reste très naturel et ça nous convient parfaitement, surtout oui, pour découper du saucisson. N'oubliez pas d'être tous bienveillants les uns envers les autres. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Si ça vous a plu, la suite du test, c'est parti. La découpe de saucisson est trop compliquée pour vous ? Vous avez essayé tous les outils dispo dans votre cuisine ? Pensez différemment. Pensez Sauciflator 3000. Grâce à son système inspiré par les meilleurs ingénieurs français du 18e siècle, amazing ! Découpez du saucisson, mais aussi du concombre, du fromage, des spaghettis. Waouh, ça marche vraiment bien, Artus. Oui, je sais, et c'est extrêmement simple à utiliser. Je peux l'essayer ? Bien sûr, tu peux. Tu prends la saucisse, j'en ai une juste là. Tu la places sur le sauciflator, juste comme ça. Et tu pousses ? Oui, oui. C'est tellement bien ! Oh, m'amène ! Je vais avoir tellement de bons repas de tous les jours pour toute ma vie, avec tous mes amis et ma famille. Tu as vu comme c'est facile ? Vous le voyez, vous ? En plus, c'est hyper bon ! Ah, je sais, je sais. Et ça fond dans ma bouche ! Et pourtant, c'est une saucisse régulière ! Et tu sais quoi? Aujourd'hui, on a une offre spéciale. Tu peux l'obtenir à ce prix avec une poignée de la couleur de ton choix. C'est disponible en vert, bleu et jaune. Oh, ceci n'est-il pas fou? C'est trop bien! Commandez-le maintenant au 99 222 763 45 323.